Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 7h32, vous pouvez pas me voir plus au réveil que ça. Je viens de me lever, je suis à un pipi et un coulage de café de mon réveil. Et deux gorgées de café dans le coco. Donc je suis vraiment fraîchement réveillée. Mais comme il est tôt, je voulais vous montrer les chichous, puisqu'ils sont enfin réunis et du coup ils sont bien actifs à cette heure-ci. Donc je vais vous les montrer, je vais vous les filmer que le téléphone. Hein. Et je vous reprendrai après une fois que j'aurai fait mes soins. Ou je fais mes soins avec vous, tiens, peut-être. Comme ça je vous explique mon week-end. Ouais, bon, là je vais déjà vous montrer d'abord pour commencer. Ce vlog, on va commencer par la famille Chichou qui est enfin réunie et voilà. Donc vous faites pas gaffe, j'ai pas eu le temps de nettoyer la cage hein, parce qu'il est très 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 tôt. Donc ici nous avons Monsieur Gougou et ici Madame Queenie et normalement il y a Luna quelque part. Laisse la maison tranquille qui est dans le petit panier là au-dessus. Voilà, mais voyez à cette heure-ci ils sont super actifs. Alors il faut faire super gaffe qu'ils essayent pas de se sauver. Parce que sinon, Madame Queenie va descendre ici pour essayer de se barrer. Hein? Bonjour Queenie, tu dis bonjour les gens? Tu dis bonjour les gens? Bonjour Queenie. Bonjour Queenie. Bonjour mon coucou. Quel est mon petit bébé coucou? Oh, tu prends la pause, madame. Oh là là, tu fais ta queen. Oh oui, et ça c'est Mister Gougou. Non, pas mes ongles. Non, tu sors pas. Non, toi non plus, tu sors pas. Vous sortez pas. Non, tu me mords pas pour sortir. Vous faites quoi là? Pas sortir. Non, 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 on sort pas. C'est pas l'heure. Hier soir, on les a fait sortir. Ils sont même pas sortis. Mais j'aimerais bien vous montrer un peu Luna. Luna, tu viens dire bonjour à maman? Mais arrête de me mordre, toi. Luna, viens. Luna. Non, bon, ils veulent pas. Et Luna, elle est ici. Bon, après, ils ont le flash dans la gueule aussi. Hein. C'est pas très délicat de ma part. Voilà, voilà. Bon, voilà, ils vont se battre, donc on va les laisser au calme. Non, c'est rien, Goku, c'est rien. Voilà, je vous laisse tranquille. Allez, faites dodo maintenant, c'est l'heure du dodo. Voilà, donc on a un petit peu modifié la cage. Donc j'ai coupé la deuxième partie du hamac qu'on a mis parce qu'il tombait par terre et ça a cuni, pété un stress. Ils ont la cabane sur la grande planchette. Là, j'ai mis le panier noir pour qu'ils puissent avoir plus facile pour se coucher sur une petite planchette en bois. Donc, ils ont encore une planchette ici, là, et puis voilà, comme ça. On a tout installé comme ça. Donc là, il faut vraiment que je la nettoie, hein, parce que je ne l'ai pas fait hier en plus. Mais ils sont très bien. Voilà. Bon, il est 7h55. Je vais faire mes petits soins avec vous en vous racontant mon week-end. Comme ça, je rentabilise mon temps. Parce que aujourd'hui, j'ai un gros planning YouTube-esque. Donc oui, il y a la cage qui traîne là. Mais comme on a... Bah, du coup, vendredi, on a réuni les chichous. Il faut que je nettoie celle-là. Alors au départ, je voulais la revendre. Attendez, j'ai mon œil qui me chatouille. Au départ, je voulais la revendre. Mais chérie veut ouvrir le dessus. Pour l'ajouter en dessous de celle-ci, pour leur faire une cage encore plus haute. Donc écoutez, hein, je vais pas dire non, hein, plus ils ont de l'espace. Voilà, après je vais juste dire, il faudra que tu nettoies le haut, parce que moi je suis un petit peu petite. Hein, voilà, voilà. Donc le samedi, on a été donc chez Manon pour son anniversaire. J'ai eu mon brownies. Donc là, après je vais vous tourner le mukbang que vous avez eu mardi. Qui est pour moi demain, mais que vous avez eu mardi, avec le brownies de Manon. On a passé une super journée, mais je pense que c'est ce que je vais en parler en vlog, en mukbang, donc voilà, de toute façon, je vous le remets en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir, vous aurez plus de détails sur ma journée du samedi. Mais en gros, on a été à l'anniversaire de Manon, qui est le 1er septembre, logiquement, mais on l'a fait comme on a pu. Avec Amy et tout, et voilà, j'adore quand on est ensemble. C'est tellement agréable de se voir en vrai et pas seulement en cam ou à l'écrit ou en vidéo, c'est génial. Bref, vous avez compris à quel point je les aime ces deux-là.
Donc ça, c'était pour le samedi. On est passé d'abord chez Primark. Donc vous avez eu le haul jeudi. Vous avez vu, j'ai été très, 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 très sage. Le dimanche. Dimanche a été une grosse, 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 grosse journée. Vraiment très grosse. On a fait mon bureau le matin. J'ai installé mes éclairages que j'ai racheté à Amy. Chérie m'a bougé mes étagères. Donc il me manque plus maintenant que mon nouveau bureau et mon meuble. Mais j'irai voir tout à l'heure s'il y a un petit peu de stock qui serait revenu miraculeusement sur Ikea. Ce que je doute, de toute façon les sous sont de côté. Donc voilà. Dès qu'il y a du stock, on va les chercher. Normalement, entre le 4 septembre et le 11 septembre, qui restockent s'ils ont récupéré du bois, hein, puisqu'ils sont apparemment ils sont en pénurie de bois. Donc je sais pas. On va voir. J'ai hâte. Donc on a trouvé un nouveau système. J'ai trouvé un nouveau système pour ranger mes postiches. Chérie m'a installé Oshi. Il est tôt. Il n'y a qu'un un tiers de café dans le coco. Attendez, je vérifie. Ah, peut-être un demi-coco. Un demi-café. Oh. Donc on a fait ça. Tant qu'il est en train de m'installer la dernière étagère, sa sœur l'appelle en disant coucou, on peut passer. Alors il dit oui. Il faut se dépêcher alors de finir ça avant qu'elle arrive. Il raccroche avec sa sœur, mon frère qui m'appelle pour me demander s'ils peuvent passer. Je dis oui. Donc voilà, j'ai eu ma belle-sœur et mon beau-frère en même temps que mon frère et ma belle-sœur. Du coup, chérie a eu la bonne idée de sortir le brownies. J'étais pas contente. C'est mon brownies. C'est mon brownies. Voilà. Les gosses sont ravis. Hein, maintenant, voilà. Ils sont tous les deux ravis de ce brownies. Le petit a beaucoup aimé aussi mon neveu. Et mon frère aussi d'ailleurs a beaucoup aimé. Donc, maintenant, c'est la reine des brownies. Mais j'adore ces brownies. Ensuite. Le crayon à sourcils. Oh, le crayon à sourcils. Donc, à chaque fois que je vois les filles, on se file des produits qu'on n'a pas aimés ou que l'autre veut tester aussi ou des choses comme ça. Donc, étant accro, moi, à mes chenilles, hein, je crois que vous commencez à le savoir, j'ai une obsession avec mes oursails. Contrairement aux devis, Amy m'a donné son crayon à sourcils Beauty Bay et son gel à sourcils puisque je voulais absolument tester le crayon. Et moi, il m'a envoyé le savon. Donc elle m'a dit, bah, je te le file, comme ça, tu pourras tester, voilà. Et du coup, j'avais fait un réel avec le savon. Et là, quand elle m'avait dit ça, donc bien avant qu'on se voie, n'est-ce pas? J'avais dit, bah, tant pis, je referai mon réel une fois que j'aurai la gamme complète, quoi, pas juste le savon. Mais du coup, je vais tourner le réel aujourd'hui. Et voilà que hier soir, j'ai cherché après le crayon pendant 3 heures quand même. 3 heures pour un crayon à sourcils. Alors d'accord, c'est fin, c'est petit. On est d'accord. Voilà, c'est tout fin. Quand même. Parce que j'ai récupéré tout ça, en fait. Amy m'a donné donc le crayon, le gel, un truc essence, là, duochrome. Et Manon m'a donné un truc comme ça. En fait, c'est un crayon multifonction de chez Etude House. Elle le pensait très rouge, mais en fait, il est orange. Parce que comme j'avais pas de crayon pour la muqueuse rouge, bon, après, c'est pas une couleur que j'utilise régulièrement, donc c'est pas très grave. Mais je pense que je vais le tester en blush, parce que en blush, il a l'air top. En fait, c'est multi-usage. Vous pouvez l'utiliser en eyeliner, en muqueuse, pour les sourcils, pour les lèvres, pour les yeux, pour les joues. Enfin, voilà. Il y en a même qui disent pour les sourcils et les cheveux. Mais sur les sites, ils donnent les teintes en fait que vous pouvez utiliser pour telle ou telle chose. Si la formule est la même, pour moi, vous pouvez utiliser tous les crayons pour tout en fait. Mais là, en blush, il a l'air top. Je l'ai swatché sur ma main. Et il a l'air de bien se blender et tout, même qu'il garde un petit côté collant. C'est ça que j'aimerais bien tester. Mais je ne vais pas pouvoir le tester aujourd'hui parce que je vais tourner aussi la vidéo de lundi. Donc de demain pour vous. Il faut que je prenne de l'avance parce que je suis vraiment à la bourre. Surtout que là, la semaine prochaine, c'est que des make-up. Puisque toute la semaine, une abonnée choisit mon make-up, sauf le mercredi où c'est la Queen of the World.
J'ai foiré ma couronne. Ça va pas du tout, du tout, du tout ce que je voulais faire. Donc, je vais faire au plus simple. On verra, vous verrez. Et le dimanche, qui sera le weekly vlog, le samedi. Non, je vous ai mis une vidéo aussi. Bon, sauf si, entre-temps, je reçois une nouveauté palette. Puisque le 3, il y a la collection Marvel de chez Révolution qui sort. Et je veux la Flawless, forcément, il y a une Flawless dedans. Donc, comme je les collectionne, je vais la prendre. C'est Batman, on s'en fout. C'est juste histoire de collectionner un Flawless. Et il y a une palette Harley Quinn. Donc c'est une petite palette de 9 phares qui m'intéresse pas plus que ça, mais c'est juste Harley Quinn, quoi. Voilà, c'est encore un de mes gugus préférés. Enfin, c'est pas un gugus, mais voilà. Vous avez remarqué que j'ai un peu beaucoup de t-shirts Harley Quinn aussi. Donc du coup, pour Halloween, je voulais vous faire un make-up Harley Quinn. Bah du coup, écoutez, on le fera quand j'aurai reçu la palette. Et voilà. Bon, après, il n'y a rien de très original, encore une fois, mais voilà. C'est comme... J'aime beaucoup Harley Quinn. J'avais envie de faire le make-up. Pour Halloween, normalement, on se retrouve aussi à une vidéo par jour. Pendant une semaine, hein, pas un mois, hein, faut pas rêver. Après, ça sera Noël, hein, pendant tout un mois déjà. Donc là aussi, il va falloir que je carbure. Mon planning est déjà presque complet, donc ça va. Et puis, il y a la palette aussi Colourpop Tinkerbell qui doit arriver. Voilà. Par contre, j'ai pas commandé. Il y a la Be Perfect. Quand on l'avait vu, Carnival, je me demande où il est le thème du Carnival, quoi, parce que là, ça fait très naturel, hein, voilà. Voilà, sinon, c'est tout pour mon petit week-end. Cette semaine, bah, il faut que je carbure mes vidéos. Faut que je carbure. Ça me reprend l'école vendredi. Donc, je serai un peu plus au calme à partir de la semaine prochaine aussi. Il y a toujours une zone dans les pieds. Hein, mais... Voilà. Ouais. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mon. Ah, j'ai arrêté. J'ai oublié de finir avec mon histoire de crayon à sourcils. Donc j'ai cherché pendant 3 heures. Mais alors quand je vous dis chercher, c'est chercher. J'ai cherché dans le frigo. J'ai cherché aux toilettes. J'ai cherché partout, en dessous des meubles et tout. Et puis, pour finir, on en discutait avec les filles. Alors, elles essayaient de me donner des pistes pour essayer de me dire, bah, peut-être qu'il est là. Est-ce que tu as regardé là? Est-ce que tu as regardé là? Et puis, d'un coup, Nymphe, elle me dit, dans le tas de linge qui était sur le meuble de la table de la salle à manger. J'ai dit, mais il n'est plus là, ils ont rangé. Alors, j'ai dit, ah, je vais voir dans la manne à linge. Parce que, voilà, c'est Georges qui a nettoyé, donc il a tout foutu dans la manne à linge, enfin, qui a débarrassé. Je vais voir, pas de crayon. Ah ouais, j'ai même regardé la poubelle. J'ai commencé à vider la poubelle pour essayer de retrouver mon foutu crayon là. Puis j'étais en train de m'énerver à chercher ce crayon là. Et puis d'un coup, mon homme il me dit Ah, mais ça m'a mis du linge à la machine. Ah, le seul endroit de la maison où j'avais pas regardé. Et il était dans la machine à laver. Voilà. Tout à fait la place d'un crayon sourcil. Bref. Donc là, je vais pouvoir vous faire le réel, le recommencer du moins. Mais comme ça, je vais vous faire un sourcil soap brow et un avec le brow gel pour voir la différence. Bon, après, j'ai mon mini lift brow, mais bon, brow lift, lift brow, j'ai pas oublié. Le rehaussement de sourcils aussi avec les cils, mais ça tient pas suite chez Révolution. Bah, moi, après, j'ai les sourcils assez épais, donc. Puis je mets énormément de produits dessus aussi, presque tous les jours, donc. Peut-être que ça fait quelque chose. Du coup, chez Manon, quand on a été, elle m'a donné 2 huiles. Donc, elle m'a donné la LCF que j'avais déjà testée et la glisse cure là, que je voulais tester justement. Donc, c'est un format 75 ml. Elle les a sûrement eu dans des box, comme elle m'a dit, puisqu'elle n'utilise pas. Donc, elle a retrouvé les deux là. Comme moi, j'arrive pas à en retrouver. Si, il faudrait que j'aille chez Creutzwaldt, mais je vais pas courir chez Creutzwaldt juste pour une huile à cheveux à 2 euros, quoi. Et elle m'a donné celle-là. Elles sont super bonnes. Et j'ai beaucoup aimé le rendu hier dans mes cheveux. Et bah, de toute façon, vous voyez là. Oui, alors il y a un délire en ce moment avec mes cheveux. Hein. J'hésite à les couper. Chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit de les couper, mais je peux pas les couper. Je peux pas, je peux pas. Bon, jusqu'au jour où ça me toquera, hein, je suis capable. Après, la coupe au carré, vous m'avez déjà vu souvent avec. Hein, voilà. J'étais. C'est quand que je les ai coupés si courts? Pas cette année, je crois que c'est début d'année dernière ou de l'année d'avant peut-être. J'avais un carré plongeant il y a 2 ans.
Ouais, 2, 3 ans peut-être. Je sais pas, il faudrait que je regarde sur mon Insta, il y a la date. Alors c'est vrai qu'il pousse hyper vite chez moi, c'est comme mes ongles. Mais non, là j'ai enfin une belle longueur. Et comme disait Amy, avec toutes les extensions que j'ai, les mèches de colorer et tout ça, ça serait un peu concon de... Oh, de plus pouvoir les mettre. Enfin si, après je peux les couper. Hein, voilà, mais non, 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 je vais pas couper mes cheveux. Je les aime trop, mes cheveux. Voilà, bon, bah, écoutez, moi je vais vous laisser là. Maintenant, je vais aller filmer ce que j'ai à filmer. Enfin, pas tout de suite, hein. Je vais d'abord me réveiller un peu correctement. Comme il faut que je fasse le réel des sourcils, il faut que j'en plaque un au savon avant de faire mon teint. Donc je pense que je peux peut-être déjà aller filmer ça. Et après, je vous prendrai pour vous montrer en haut. Comme ça, vous allez voir le nouveau fond. Enfin, de toute façon, vous l'aurez déjà vu dans la semaine, dans les vidéos, quoi. Notamment dans le mukbang. Mais il sera complet qu'après mon haul. De toute façon, je vais tourner le haul avant. Ouais. Parce que j'ai un truc de déco qui va dedans aussi. Bref, je vous raconte n'importe quoi. Allez, je vous retrouve après. Donc, je vous montre comme ça, en gros, avec le téléphone. Hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qui a changé? Alors, l'étagère là va partir, celle-là aussi, puisque là il y aura mon grand meuble Pax. Le bureau va changer aussi, hein, les meubles Alex, c'est mon homme qui récupère, enfin les caissons Alex. Le plan de travail aussi, et j'aurai une plus petite table, comme ça j'aurai plus de place ici. Donc là c'est Amy qui m'a donné des plexis pour ranger mon bordel et poser mon miroir, qui va changer aussi, puisque j'en ai commandé un sur Maki Beauty. Et j'ai racheté les deux LED, panneaux LED à Amy aussi. Donc là, on va voir ce que ça donne pour mon premier make-up. Et voilà le fond. Alors attendez, je vais essayer de reculer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, il n'est pas allumé, hein, mais j'ai viré ma chaise aussi. Voilà. Donc grosso merdo, c'est à peu près comme ça que ça va rester pendant un certain temps. C'est très rose et très girly, très fifi. Il y a juste ici, je rajouterai un truc que j'ai acheté chez Action. Donc vous avez déjà eu le haul, vous l'avez déjà vu en fond, mais bon, moi je ne l'ai pas encore mis. Et ici, je vais ajouter mes deux tasses Stitch et Angèle que j'ai acheté chez Primark. Pareil que vous avez eu le haul en même temps. Donc voilà, et ici, je pense qu'après, je vais installer toutes mes couronnes puisque j'en ai commandé trois. Ouais, trois, mais il y en a une, c'est un diadème comme ça, mais qui revient en pointe sur le front. Donc on verra bien. Ici, j'ai juste trouvé une petite astuce pour essayer de fixer la couronne, parce que je trouvais que ça allait bien, la petite couronne sur le cadre là, je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Là, pour l'instant, j'ai mis le reste de mes parfums. C'est tous des parfums que je dois terminer. Hein. Enfin, les Nox et le Victoria's Secret sont relativement neufs, puisque je viens de les avoir. Il faut que je termine les deux là en priorité, mais j'ai encore mon Lolita Lempicka à finir en bas. Et voilà, ma petite bougie, le petit pot là, je ne sais pas s'il va rester. Les deux là non plus, je ne sais pas. Si j'arrive à racheter un bougeoir, comme je vous ai montré dans le hall, je pense que je prendrai un deuxième pour mettre un de chaque côté à la place des trucs là. Mais bon, ils étaient quand même 7 balles, hein, donc on verra bien. La prochaine fois que je vais chez Action, s'il y en a encore, j'en reprends un. Et voilà, et mes petits gros goûts restent là et mon Stitch reste là, quoi. Faut que je range un peu le bordel, mais quand j'aurai l'autre tiroir, l'autre meuble, ça sera beaucoup plus facile. Et ici aussi, ça a changé. Donc là, c'est pareil, c'est tous des trucs à ranger quand j'aurai le meuble. Donc j'ai mis enfin, mon homme a mis mes trucs à serre-tête ici. Et en dessous, on a remis une barre. Donc ça, c'était mon idée. Enfin, les anneaux, c'était lui. Enfin, non, c'était son idée. Ouais, c'est juste moi les attaches que je me suis dit, bah prends les trucs que tu as utilisés pour la cage. Donc voilà, j'ai pu accrocher toutes mes postiches. Les mèches, j'ai dû les laisser comme ça parce que j'ai plus assez de crochets, mais il m'a dit qu'il en avait encore. J'aimerais bien les accrocher une par une, mais j'en ai encore quelques-unes qui vont arriver. Là, j'ai juste regroupé mes colliers parce que je sais pas où les mettre. Et on a mis une étagère comme ça, ici, donc à côté du miroir et du petit lavabo. J'ai mis mes VSP et mes accessoires cheveux rangés dans tout ça, plus les deux trousses là que je sais pas encore où mettre pour l'instant, mais... Oh, la Tamie, je vais certainement pas la garder, mais celle-ci, je l'aime bien, c'est un cadeau de Manon, d'Amy. Et voilà. Donc,
Voici grosso merdo ce que ça donne en fond. C'est très 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 joli, je trouve. N'est-ce pas? Alors, il est 11h02 très précisément. Je viens de faire mon teint et je vous reprends pour tester quelques petits produits que je vous ai présentés dans mon dernier haul. Comme ça, j'ai testé le sérum au blueberry puisque j'ai fini l'autre. Et voilà, c'est un sérum quoi. Mais là, on va commencer par tester les plumpers. Donc, le crayon Catrice et le plumper essence. Il y a, vous voyez les pieds d'Enzo dans le canapé, ses chaussettes toutes niches. Voilà. Donc on va commencer par le plumper puisque c'est ce que je fais avant, puis après on passera au sourcil. Je vais mettre que d'un côté le crayon. On va voir si ça plumpe. Donc on va juste faire le tour de la moitié de la bouche. Je sens pas que ça picote rien. Pourtant ils sont à la menthe. Bon bah écoutez, je fais tout parce que hein, on va pas prendre 3 jours. Voilà. Je sens rien. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, non? Voilà. Ça vous voyez un peu moins le bordel. Et donc j'ai testé le plumper en raisin comme ça de chez Essence au collagène. Donc je sais que Manon aime beaucoup la version, la première version qu'ils ont fait. Voilà. Là, on sent que ça picote un petit peu. Donc, je vais faire mes sourcils en attendant que ça plumpe. Alors, je vous ai tourné un réel hier et j'ai testé sur un sourcil seulement le combo là crayon et vous voyez pas, il fait pas le focus. Crayon et gel de chez Beauty Bay. Donc là, on va tester juste avec le crayon et cette technique-là puisque j'avais fait un sourcil savon et un avec ça. Donc là, je vais faire les deux comme ça. Parce que le rendu, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est parti. Donc là, je fais d'abord des petits arrachés. Je fais ma queue de sourcil puisque je n'ai pas beaucoup de queue de sourcil. Je brossette. Ah, il picote bien le truc. Et je vais donc mettre le gel par-dessus. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, hein, qui sont des liens affiliés. C'est grâce à Amy aussi que j'ai pu tester ces deux produits-là, puisque j'avais reçu que le savon. Le crayon, je voulais vraiment le tester. Et ce truc-ci, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé le rendu aussi. Et il fixe pas mal, hein. Franchement, c'est pas retombé au fil de la journée, hier, rien. Et je reprends quand même un goupillon pour éviter les paquets et pour qu'il soit bien en forme. Donc voilà, vous avez un avant-après. Donc ils sont plus foncés avec cette technique-là, hein, forcément, parce que le produit est peut-être un petit peu foncé. Amy avait choisi cette teinte-là, qui est beaucoup trop foncée pour elle d'ailleurs. Mais. Comme j'ai les cheveux noirs, ça va. Donc on fait l'autre. Je sens qu'il y en a un qui va s'endormir pendant que je fais ma partie du vlog. T'es pas censé rester réveillé, toi. Bah ouais, mais bon. Je t'apprends mon machin, tu me coupes là. Ah bah voilà, ça va être ma faute. Bah ouais. En même temps, tu dormirais la nuit. Bah je dors la nuit. Bien sûr. Tu as dormi de camp à camp là? Là, pour l'instant, j'ai pas dormi. Ben voilà, mais c'est bien ce que je dis. T'aurais pu faire au moins un coucou de pied. Alors, on voit plus ton pied. Attends, je filme ton pied. Vas-y, coucou de pied. Voilà, il vous a dit coucou avec son pied. Bon, bien sûr, ici, j'ai toujours mon épi qui pose problème. Voilà pour les sourcils. Bah écoutez, j'aime bien le rendu quand même avec ça. C'est plus foncé. Moins rebiqué, mais ça va, ça passe. Franchement, j'aime bien. Donc, j'ai plus qu'à mettre ma base et je pourrais les filmer. Le plumper, bah, il picote encore. Mais j'ai l'impression que ça a bien lissé mes lèvres quand même. Ouais, c'est pas mal. Bah, le crayon, je le sens pas, hein, franchement. Donc, je vais dézoomer un peu.
Et on va tester aussi, comme je dois me coiffer, on va tester les deux produits cheveux que j'ai. Comme ça, après, je pourrais rendre le son de la télé à Enzo. Ils sont en dehors, ça y est. Mais oui, mais j'aimerais bien que tu ne dormes pas. J'aimerais bien envoyer mes CV. Ben écoute, t'attends encore 10 minutes et je monte. J'ai plus après qu'à mettre ma base et je vais filmer. Donc je vais tester le petit sérum là. Comment c'est déjà? XHC Freeze Free Fabulous. Qui est. Oh! J'en fous partout. Donc j'en mets pas trop. Mais franchement, j'aime pas l'odeur. Ah, quoique. Non, il a une odeur assez particulière. Bah, c'est pas qu'il pue pas la mort non plus, hein, mais il a une odeur bizarre. Moi, je trouve ça. Tu sens rien, c'est normal que tu trouves que ça va. Mais qu'est-ce qu'il est con? Je sentais en dessous de mes bras, Google. Hein? Je sentais en dessous de mes bras, c'était pour la vanne, Google. Ah, il sentait en dessous de ses bras, d'accord. En même temps, quelle idée de renifler ses aisselles. Ça sent le couscous? Non, ça sent rien du tout. Ça sent pas le couscous, c'est déjà ça. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont lissés? Ça a l'air hein, quand même. Ouais, j'ai toujours encore un peu des frisottis, mais ça me paraît pas mal. Et du coup, on va tester le petit spray de chez Essence, là, la Coco, le Hydrating Glow Multi-Use. Puisqu'ils disent qu'on peut l'utiliser dans les cheveux aussi, comme je mets du spray tous les jours dans les cheveux, normalement. Normalement, c'est censé les faire briller. En tout cas, ça sent bon la coco. C'est pas moi qui pète, hein, c'est mon fauteuil qui grince contre le bureau. Ah, question brillante, ça a l'air pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime bien. C'est des produits pas chers et ils ont l'air top. Donc écoutez, je suis ravie. Voilà. Bon, moi je vais me coiffer et mettre ma base à paupières. Et puis je vais aller filmer. Comme ça, Enzo peut envoyer ses CV. Sauf que, à mon avis, il dort déjà. Tu dors, Zozo? Et voilà, donc je pense que j'aurai rien d'autre à vous ajouter, à vous raconter aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut déjà switcher 2 jours. Alors, il est 9h25. Normalement, je devrais être en train de faire mon teint pour me préparer pour ma vidéo. Mais l'envie m'a toqué de changer mon fond. Voilà, pas grand-chose, hein, mais je vais changer quelque chose, quelques petites choses. Le cœur va disparaître. J'ai envie de mettre ce tableau-là pour remplir un peu plus l'espace. Et voilà, donc je vais déjà enlever le cœur et je fais ça avec vous. Voilà. Je vais récupérer ma guirlande lumineuse. Du coup, dans la lanterne ici, j'ai mis des fleurs parce que la bougie reste pas allumée. Donc, du coup, j'ai mis des fleurs que Manon m'avait données. Et comme on voit pas le coussin quand je suis cadrée, je vais le remettre ici en dessous. Je vais juste intervertir les deux trucs là. Et ici, je mettrai mes couronnes de Queen, de Queen of the World. Voilà. Donc, on change ça encore. Mamie, c'est pas ce qu'elle veut, hein, comme là, vous avez l'habitude. Ben, j'ai déjà mettre mon cadre, comme ça il ne traîne pas là. On va voir ce que ça donne d'ailleurs. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou à cheval sur les deux clous? Attendez, je regarde ce que ça donne. Oui, il ne remplit pas vraiment l'espace, hein, mais bon. Il n'est pas droit si vous le mettez comme ça. Les clous sont pas droits. Ben non, les clous sont pas droits, donc. J'ai pas trop le choix en fait. Si je me laisse pas trop en arrière. Quoique. Ah, quoique. Après j'en ai un tout gros rose, mais ça fera trop. Mais il est pas droit. On est d'accord. Merci de me le dire.
Donc bien sûr, quand je suis ici, vous ne m'entendez pas bien. Voilà. Bon, j'ai un petit coup qui traîne, là. Je vais accrocher ça. Il ne va pas passer dedans. J'ai mes chiens qui foutent le bordel, comme d'hab, hein. Vous êtes habitués, maintenant. Bon, allez, je veux que tu passes là, tu passeras là. Voilà, quand je te le dis. Voilà, c'est un peu totalement inutile, mais j'avais envie de le mettre. Alors, les parfums vont aller au-dessus avec la boîte Anastasia. Donc, j'en mets mon coussin, comme il était avant. Les petits pots vont aller là au-dessus aussi. Voilà. Comme ça. La petite fille va ici. Et mon... Ah, mon petit lapin, je vais le remettre là, sa place. Hein. Bon, ça, du coup, ça fera deux trous. Donc, je vais pas mettre. Ouais, je crois que c'est pas mal là. Et je vais recevoir bientôt mes couronnes, donc j'en mettrai une de chaque côté. Et j'ai plus qu'à récupérer ma guirlande lumineuse de mon cœur. De mon cœur. Comment je dis ça? Pour mettre. Je vais le mettre là-dedans. Voilà, comme j'oublie toujours d'allumer mes bougies de toute façon. Ouais. Voilà, on est pas mal là. Hein. Ok, donc comme vous avez vu, j'étais en appel avec Amy juste avant, hein, tant que je faisais mes soins. Là, je vais aller faire mon teint. Je vais d'abord récupérer ma guirlande qui était assez chiante à enlever. Parce que je me suis amusée quand même à la mettre dans chaque petit truc là. Je vais préparer ce qu'il me faut pour tourner ma vidéo, aller faire mon teint. Je tournerai ma vidéo. Là, je vais recharger la batterie parce que du coup, je viens de voir qu'elle a été déchargée. Et voilà, écoutez, on sera déjà pas mal. Ok, bah écoutez, je vous laisse là, je ne sais pas si je vais vous reprendre après, on verra. Est-ce que je vais vous dire que j'ai les carreaux dégueulasses? Clairement. Alors attendez, j'essaye de bouger mon miroir. C'est vrai que maintenant avec le téléphone, je ne sais pas trop comment faire. On va faire comme ça pour l'instant. Voilà, donc il est 10h44, je suis affreusement à la bourre, mais alors quand je vous dis affreusement, c'est affreusement... je suis là, tout simplement. Donc là, ce matin, j'ai commandé sur Amazon des mèches colorées, un lot de 12, non, de 24. Il y a 12 couleurs et 2 de chaque. Donc ça revient moins cher encore que celle d'AliExpress. Donc, je ne vais pas me plaindre. Hein. Je vais vraiment, vraiment, vraiment pas me plaindre. Là, j'essaye de débarrasser un peu mon bordel pour vous montrer mon miroir et mon pot à pinceau. Que j'ai un petit peu modifié. Voilà. Sinon, j'ai reçu mon... 1, 2, 3. Comment ça perle? Mon miroir de Maki Beauty. Donc, je vais vous montrer ça. Franchement, il est top, 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 top. Je suis bien contente. Et j'ai encore changé mon fond. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué. J'ai mis mon petit Bambi. Puisque... On approche l'automne quand même, hein, voilà. De toute façon, vu le temps qu'il fait, j'ai envie de vous dire, on n'est pas du tout en été. J'ai ma cahouette qui part de Traviole. Après, j'allais faire mon teint et tourner la vidéo de que vous avez eu jeudi, je crois. Il faut que je lave mes carreaux, mais c'est pas possible, ils sont toujours aussi dégueulasses. Est-ce que les porteuses de lunettes quotidiennes, hein, pas celles qui les mettent juste 5 minutes par jour, mais celles qui les laissent vraiment H24, sauf pour dormir, est-ce que vous aussi, vous avez toujours les carreaux dégueulasses et que vous ne vous en rendez pas forcément compte? Mon frère, il fait une fixette sur mes lunettes. Il me les lave à chaque fois qu'on se voit parce qu'il me dit toujours, elles sont dégueulasses, comment tu vois en travers? Mais je les ai tout le temps sur la face, donc je ne vois pas, moi, qu'elles sont sales. Si, là, je vois avec les éclairages. Les éclairages, c'est plutôt pas mal aussi. Hein.
Là, il faudrait juste que je trouve des branchages automnales, j'allais dire automniens, automnales pour mettre avec mes roses transparentes. J'ai remis la tasse licorne là parce que je trouve qu'elle va tellement bien là. Et comme ça, on voit un peu mieux les stitches et celles d'Emmy. Voilà, donc là, je ne les ai pas allumées. J'ai rien allumé hein, puisque je ne vais pas filmer tout de suite. Il faut que j'aille faire mon teint d'abord. Donc, le miroir, franchement, pour le prix. Alors, pour ceux qui ne commandent pas, pour les Belges, par exemple, qui ne commandent pas sur Maki Beauty. Moi, je fais livrer en France, hein, dans un mondial relais français. J'ai trouvé le même sur Amazon. Donc, je vous mets les deux liens en barre d'infos. Maki Beauty pour les Françaises et Amazon pour les autres. J'aurais pu le commander sur Amazon, en fait, au final, parce qu'il était 1 euro moins cher, je crois. Mais voilà, ça faisait longtemps que je leur niais dessus. Donc, c'est ce miroir-ci. C'est le 4 in 1. Donc, c'est Letflect Innova Goods Wellness Beauty. Donc, vous le recevez dans le carton là, avec du papier bulle autour de chaque truc, et en plus dans un autre carton encore. Il est emballé dans un second carton. Et voilà, donc c'est un miroir avec des LED au milieu. Vous avez grossissant x2, x3, et le petit truc amovible avant tout, ce qui fait x10. Donc celui-là, je ne vais pas l'utiliser en haut, mais je vais le garder en bas parce que j'ai épilé mes sourcils hier avec, et c'est topissime le x10. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Vous avez le bouton tactile pour allumer les LED, et voyez, ça incline et il se referme. Nickel. Franchement, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai juste branché hier. Le seul petit bémol, c'est qu'il fonctionne sur USB. Donc moi, là, je l'ai branché. J'ai dû changer, remonter ma rallonge. Mais il faut quand même mettre les piles dedans. Il faut 4 piles. 4 piles AA. Donc, je vous le montre. Je vais vous le fermer pour vous le montrer. Donc, il est gris. Normalement, il était en blanc. Moi, je l'ai eu en gris. Après, la couleur, je m'en fous un peu. Vous avez le pied avec un petit bac pour le mettre là. Ici, vous avez le système pour les piles, alors que j'ai eu un mal fou à ouvrir. Ici, l'interrupteur et le câble. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de piles dedans, il ne fonctionne pas, même sur pile. Hein. Et voilà la bête. Je suis trop contente. Voilà, et vous avez ici le petit bouton tactile pour l'allumer, l'éteindre et faire mumus. Oui, je vais faire mumus pendant 3 jours avec ce truc. Donc, on va tester ça pour la vidéo juste après. Et donc, le petit amovible comme ça rond en x10 que moi, je vais utiliser en bas pour faire mes sourcils. Donc, je suis bien contente. Franchement, il est topissime. Il est assez lourd. Il faut juste mettre les piles dedans pour qu'il fonctionne. Là, j'ai mis 4 piles rechargeables, mais je vais le laisser brancher sur secteur. Hein. C'est juste histoire qu'il s'allume quand j'appuie sur le bouton. Voilà. Et donc, les mèches, je les reçois demain. Je vais juste modifier un petit peu mon truc pour les mèches colorées individuelles. Là, enfin, juste les mèches, pas les trucs. Ça, je ferai après. Je vais prendre du fil de fer et avec les crochets, je vais remettre un étage en dessous pour l'éclipser sur le fil de fer. Voilà. De toute façon, je vous les montrerai demain quand je les aurai reçus. Toujours pas de stock pour mes meubles. Je suis dégoûtée de chez dégoûtée de chez dégoûtée. Voilà. Là, j'ai regardé. J'aimerais bien m'acheter une figurine Harley Quinn. Puisque j'ai mon Stitch, j'ai mes gros goûts et j'ai pas d'Harley Quinn. Et j'en ai vu une belle sur AliExpress, pas très chère. Je pense que je vais valider la vente maintenant. Après, je sais pas combien de temps elle va mettre à arriver, mais elle est trop mignonne. Et comme c'est un de mes personnages préférés aussi et que j'ai pas. J'aime bien avoir un petit cucus de chaque personnage que j'aime bien. J'ai Clochette aussi qui est planquée quelque part. Là, il y a Lilou. Donc, si vous entendez des bruits de cochon, c'est Lilou qui ronfle. Voilà. Donc là, moi, je vais aller faire mon teint. Je vais tourner la vidéo. On va rire avec cette vidéo. C'est Myriam encore. Mais je vous en dis pas plus parce que pour vous, c'est que pour la semaine prochaine. Sinon, bah ouais, hier on a été chercher mon colis au point relais français donc. Je pensais déposer mes ventes Vinted, mais c'est après que j'ai réfléchi que j'étais obligée de les mettre dans un point relais belge. Oui, c'est débile. C'est mondial relais, mais on ne peut pas les déposer où on veut. C'est un peu débile. C'est comme Maki Beauty qui ne fait pas livrer dans les points relais belges. Je comprends pas. Si je voulais faire livrer chez moi, c'était 60 balles quoi de livraison. Plus cher que ma commande. Parce que bon, ma commande, il n'y avait que le miroir pour moi et un backup de mon sérum pour les yeux.
puisque j'en ai profité de prendre un backup tant que je commandais chez eux. Sinon, tout le reste, c'était pour le soir. Donc, je peux pas vous montrer. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas attendu pour faire le haul, puisque je savais que je pouvais pas vous montrer dedans. Et le miroir, je vous le montre maintenant. Enfin, je vous l'ai montré maintenant. Je suis plutôt contente. Ça faisait longtemps que je cherchais un miroir. Et quand, c'est vrai que quand j'ai vu le Jeffree Star, j'ai craqué dessus, parce que bon, il a forme d'étoile, voyez. Voilà. Mais bon, 100$ pour un miroir... Non. Là, il est 17 balles, c'est très bien. très bien. Et 15... Et oui, il y a 15€ sur Amazon, il me semble. Donc voilà. De toute façon, je vous mets dans ma vitrine et je vous mets le lien direct également dans ce vlog. Et voilà. Sinon, mon chien n'a pas voulu manger ce midi. Enfin, ce midi, il n'est pas encore midi, mais non, je lui donne vers 10h30 à manger. Il n'a pas mangé sa poulette. Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne revenait pas. Donc, j'ai cru qu'il s'était sauvé. Mais quand il est revenu, je pense qu'il a, il a fait une petite crise ou un truc comme ça. Ou alors, il a essayé de se barrer. Mais bon, le fait qu'il ne mange pas, c'est bizarre. Là, j'ai remis la poulette au frigo. Et je réessayerai dans une petite heure, quand j'aurai fini ma vidéo, voir s'il mange ou pas. Sinon, là, il faudra s'inquiéter. Parce que s'il ne mange pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Sinon, j'avais rien de spécial à vous dire. Ouais, donc là, j'ai le téléphone dans ma main. Donc, vous allez m'entendre un peu différemment. J'ai fait une boulette de montage pour la vidéo de la Queen of the World que vous aurez mercredi. Oh oui. J'ai dit aussi, j'ai oublié d'enregistrer la première partie du son de la vidéo. Et en fait, non. C'est quand j'ai dérushé tous mes trucs, la première partie du vlog, en fait, j'avais pas enregistré de son vu que c'était l'appel avec Amy. Que vous avez vu, vous, hier. Et du coup, j'ai fait le montage d'abord avec le son caca de l'appareil. Donc, je vous ai mis la notation comme quoi c'était le son caca pour le début. Après, j'ai refait le montage avec le bon son, puisque je l'ai retrouvé en vous notant que je l'avais retrouvé. Mais il y a le son de mon intro qui a disparu. Donc, voilà, c'est pas bien grave. Il manque que le son de l'intro. Mais bon, j'aime bien danser sur ma musique quand je fais mon montage. Et là, j'ai pas calé qu'il était pas... Le son était pas... inclus du générique, enfin de l'intro. C'est moins grave que le son caca de la vidéo avant. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Le vlog va être très court hein, cette semaine, mais il se passe vraiment pas grand chose. Demain, genre, je rentre à l'école, donc la chérie doit lui couper les cheveux quand il rentre du boulot. Ouais, sinon, il va falloir que j'aille me coucher un peu plus tôt ce soir, parce que ça va être... Aujourd'hui, je me suis levé tard, je me suis levé à 9h. Enfin, tard. Tout est relatif, hein, mais voilà. Je suis levé à 9h. Et depuis, je glande. Enfin, je glande, non. J'ai fait une commande... une commande Amazon. J'ai regardé un peu mon planning. J'ai un peu changé parce que j'ai envie de faire ma rotation. Vu qu'on arrive dans un temps... enfin, qu'on a eu un temps totalement pourri, j'ai envie déjà de passer à ma rotation de... d'automne. Donc, je vais refaire ma rotation dans pas longtemps pour vous. Moi, je vais la filmer demain, mais je ne sais plus pour quand je voulais programmer. Demain, il y a la palette Flawless Batman et Harley Quinn qui sortent. Donc, ça, je vais commander à la sortie. Et voilà. Donc, sur Révolution, vous avez mon lien de parrainage. Je n'ai pas de lien d'affilié, mais vous avez mon lien de parrainage. Vous gagnez 5€ sur votre première commande. Ça marche que pour les nouveaux arrivants. Mais il suffit de refaire une nouvelle adresse mail, hein. Et je vous mettrai le lien également Beauty Bay si elle sort sur Beauty Bay, puisque là, je suis affiliée. Donc, voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. J'en ai marre de voir le bordel partout. J'ai hâte d'avoir mon meuble. Ça me saoule de ne pas avoir mon meuble. Et mon plus petit bureau pour gagner un peu de place quand je filme. Donc, voilà. Ah, je vais vous montrer mon pot aussi que j'ai acheté chez Action, que vous avez eu dans le hall. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vous reprends du téléphone pour vous filmer ça. Et puis je vous laisse. Moi, je vais aller préparer. Je vais aller me préparer pour filmer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis mes pinceaux. Donc j'ai remonté la hauteur. Parce que sinon, mes pinceaux tombaient dans le fond. Quoi. On les voyait pas. Donc j'ai fait un carton pour faire un fond plus haut. J'ai mis une séparation pour séparer les pinceaux yeux et les pinceaux teint. Donc j'ai fait ça avec du carton solide. Et puis là, j'ai mis tout ce qui est pinceau liner, mon pinceau pour les chutes, pour blender ma base, pour mon arcade sourcilière, enfin mes petits accessoires. Ici aussi, là, il y a ma base à paupières. Mais voilà, vous voyez un peu
La base, elle est ici. Mes pinces à épiler. Ah non, la base à paupières, elle est ici. Là, c'est ma petite plaquette pour les strass. La petite déco, mon masking tape et mon taille-craie. Voilà, mais je trouve que c'est trop mignon. Puis c'est bien pratique. C'est en carton, hein, donc ça tiendra le temps que ça tiendra, mais c'est bien pratique. Et je vais en profiter pour vous montrer plus en détail le fond. Donc ici au-dessus, j'ai mis les petites décos là, que j'avais eues. C'était dans un swap, c'était Manon, avec mes petits pots, ma boîte Anastasia et mes parfums. Ma petite fée, bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'elle soit en déco, celle-ci. Là, j'ai remis les deux boîtes là avec mes deux tasses Stitch, enfin Stitch Angel, la slip que m'a offert Amy. Une petite couronne là. Là, il y a ma fée. Ici en dessous, on a donc les fleurs que j'avais mis, des fleurs roses. Si je trouve des trucs d'automne, je les mettrai dedans, sinon ça restera comme ça. Mon petit cadre panda que j'ai ajouté la couronne. Ma tasse licorne que j'adore. Il y a ça, et ici, voilà, j'ai mis ça, donc j'ai mis la guirlande à l'intérieur, vous le verrez allumé dans les vidéos. J'ai remis Bambi et ma petite couronne comme ça. Et là, voilà ce que ça donne ici, j'ai collé les deux petits nœuds là, parce que je les adore ces petits nœuds pareils, hein, c'est des trucs que Manon met dans les swaps. J'ai mis ce cadre là, j'essayerai peut-être d'en trouver un plus grand, et j'ai mis c'est une pince à cheveux à la base, hein, voilà, mais je l'aime bien, donc je l'ai mis là en déco aussi. Et voilà, donc je vous mets j'essaie de vous montrer d'un peu plus loin, sans me casser la gueule. Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Allez, bon, soit on switch deux jours, sinon je vous reprends s'il se passe quelque chose. Mais là, en attendant, moi, je vais me préparer pour faire ma vidéo. Donc, je viens de finir de tourner ma vidéo. Je vous montre juste ce que j'ai fait. Alors, le fil de fer est absolument pas droit, hein? On est d'accord? Mamie est un peu tordue, donc les choses sont tordues. Donc du coup, j'ai clipsé les mèches les unes sur les autres pour les mettre sur mon petit fil de fer. Comme ça, je peux en commander plein. Puisque là, je vais en recevoir quand même 11 sortes différentes, 11 couleurs différentes. Donc je ferai pareil et voilà. je suis assez fière de moi. Donc mon rangement accessoires cheveux me plaît vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Voilà, toutes mes postiches, mes petites mèches et au-dessus mes serre-têtes. C'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Voilà. Bon, écoutez, moi, je viens de finir le make-up Grande Femme que vous aurez la semaine prochaine. Hein. Une abonnée choisit mon make-up. Je vous spoil pas parce que c'est un thème un peu bizarre. Voilà. Et là, je crois qu'on peut déjà switcher deux jours. Je vais voir la boîte aux lettres, mais j'attends rien de spécial à part Mélima ongles AliExpress, donc on s'en fout. Et voilà. Donc, on switch deux jours. Voilà, je suis avec Georges, il est 7h04, il va partir dans 5 minutes prendre son bus, c'est ça, hein? Ouais. Pour aller à l'école, voilà. C'est la rentrée pour monsieur. Il s'est endormi à 21h30 comme un gros caca, donc il est à peu près reposé, je crois. En moitié. Même s'il a une tête de cou. Une tête de cou. T'as une tête de cou? De cou? Viens montrer ta tête de cou. J'ai la tête de gros cou. La tête de gros cou. Son papa lui a coupé les cheveux hier. Ouais, non, c'est mort, j'ai une tête. Montre. J'ai plus de cheveux. C'est tout court. C'est tout court. Il est passé de brosse à chiottes à tête de petit bébé, là. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai reçu mes mèches. Comme ça, je vous montre mes mèches pour clôturer ce vlog. Là, je dois tourner deux vidéos. J'attends 8 heures pour l'appel du vendredi avec Amy. Et voilà. Donc, je vous reprends tout à l'heure, là, parce que là, Georges va partir. Donc, je vous reprends après. Bon, avant de filmer, je vous montre rapidement. Voilà, j'ai retrouvé des crochets. Bon, j'en ai quand même pas assez pour les 12 mèches, enfin les 24 mèches que je vais recevoir en 12 couleurs. Mais après, il y en a que je vais avoir en double. Il y en a qui vont encore arriver de chez AliExpress. Mais je pense que, voilà, j'essaierai un peu de regrouper par teinte en les reclipsant l'une sur l'autre. Ou avec un petit papier, je vais essayer de traficoter. Mais voilà, ça fait plus beau que le fil de fer, quoi. Voilà. Je suis vraiment trop contente de mon rangement, hein. Ouais, c'est beau, hein. Tout plein des cheveux colorés. J'adore. Alors, il est 13h. 12h57, donc quasi 13h. J'attends toujours ce putain de facteur pour aller à la sieste. Donc, j'ai pas su tourner ma deuxième vidéo. Puisque je me suis dit, j'ai fini la première à 10h30. Je vais attendre le facteur, vu que c'est l'heure où il vient d'habitude. Il est 13h, je l'ai toujours pas vu. Donc, j'attends mes mèches pour vous les montrer. Je sais pas du tout à quelle heure il va venir.
Et puis pour aller à la sieste. Hier soir, j'ai commandé, je vous ai pas dit encore, j'ai commandé en accès VIP la palette Forever Flawless Batman et celle de Harley Quinn. Donc on sortira le make-up Harley Quinn, hein, bien évidemment, pour celui-là. La Batman ne m'inspire pas trop. Voilà, on verra quand je l'aurai en main, mais je trouve qu'elle est assez brouillon comme, comme palette, comme colorimétrie, quoi. Enfin, comme color story plutôt. Je trouve ça assez brouillon. Enfin, on verra bien une fois que je l'aurai en main. Donc là, je suis sur un épisode de sur Supernatural. C'est l'épisode 16 de la saison 13. Et ils sont avec Scooby-Doo. C'est un dessin animé. Et ils sont avec Scooby-Doo. Voilà. J'avais jamais vu. Hein, la saison 13, j'ai jamais vu. Je crois que la 12 non plus. Moi, ouais, il me semble que la 12, j'avais jamais vu non plus. Donc c'était à peu près là que je m'étais arrêtée. Et c'est pas mal. Bon, après, c'est un peu chiant. J'aime pas Scooby-Doo de base. Mais alors là, le truc, c'est encore pire, quoi. Là, je viens de lancer mon petit jeu pour vous montrer. Parce que, voilà, je vous ai toujours pas montré, en fait, depuis que je vous en parle. Alors, attendez, j'essaie juste de régler pour enlever ma bombe sur ma tête. Il faut aller dans les paramètres à chaque fois. Je comprends pas pourquoi il ne... Il me remet à chaque fois le... Cacher mon chapeau, voilà. Je comprends pas pourquoi à chaque fois je deviens... Enfin, il revient en fait. Donc, le jeu, c'est Star Stable. Je vous mets le lien de la vidéo de Pixia en barre d'infos, puisque c'est là que je l'ai découvert. Et en même temps... vous avez un lien qui vous permet d'avoir une semaine gratuite, une semaine ou 15 jours, je ne sais plus, du truc payant, Star Rider, qu'ils appellent ça, et vous avez quelques petits cadeaux. Donc là, je vais vous montrer, je pense pas que je vais jouer maintenant, parce que je suis fatiguée, et j'ai envie d'aller à la sieste, mais ce putain de facteur ne vient pas, et j'ai mon montage à faire, de toute façon. Bien que ça presse pas, mais je vais voir. Je vais voir après, là, je vous montre juste. Donc, je vous filme mon écran avec l'appareil. Ça va pas être super beau, mais voilà, j'ai pas envie de chercher à comment enregistrer le son, l'image. Non, pas avancé. Donc, voilà mon petit cheval et moi-même. Mais j'arrive pas à zoomer. Donc, on va la faire s'occuper de son cheval, si j'arrive à le faire comme ça. Ouais, normalement, ouais. Hop, hop, hop. Parce que là, ça fait plusieurs jours que je me suis pas connectée. Donc, voilà. Il est un peu pas bien. Vous voyez ici qu'il a besoin de tout. De câlins, de bouffe. Donc, on va curer les sabots. Et vous avez des quêtes. Alors, attendez, je sais plus où elles sont mes quêtes. Ah, il faut que j'aille les reprendre. J'en ai plus pour l'instant. Mais voilà. Franchement, c'est... Ah, j'ai plus de foin non plus. C'est sympa comme petit jeu. Ça détend. Franchement, c'est très... Alors, je vais pas savoir aller acheter du foin avec une main, je pense pas. On va déjà le brosser. Et hop, tu peux monter dessus. Donc, vous pouvez le diriger à la souris. Hein. Vous voyez ? Là, je tourne avec la souris. Je vais le faire avancer tout doucement. Là, c'est une étable, c'est mon étable en fait. Ici, c'est les quêtes quotidiennes. Là, c'est pour acheter. Puis voilà, vous avez vos petites quêtes. Vous vous promenez un peu à droite, à gauche. Là, j'ai encore une quête. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que... Comment ? Les quêtes, elles disparaissent si vous ne les faites pas sur la journée. Il faut à chaque fois aller les rechercher. Donc là, on va acheter du foin avec des sous. Voilà. Et je vais redescendre du cheval pour lui donner à manger. Ah oui, regardez, de l'autre côté, j'ai un petit lapin. Ça, la couronne, là, ça venait avec le truc de Pixia. Bon, attendez, j'essaye de choper sa tête. Voilà. Ah, on lui a pas donné à boire non plus.
Ah, j'ai entendu une portière, ça reste le facteur. Nourrir. Hop, un ballot de foin. J'ai pas trouvé pour acheter plusieurs trucs. Et je vais essayer de vous montrer la map en grand, au plus grand. Voilà. Donc là, moi, j'ai visité un peu tout ça. Oui, parce que là, je suis bloqué. Je sais que quand vous achetez le truc Star Rider, là, c'est plus. Vous avez plus de. Comment ? Vous avez plus de mise à jour, plus de maps et tout ça. Mais bon, pour l'instant. Parce que c'est quand même pas donné. Voilà, pour un an, c'est 65 euros, quoi, en gros. Pour 3 mois, vous avez 13 euros. Enfin, 14. Et puis, au mois, c'est 6,50 euros. Voilà. Mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est hyper reposant, je trouve, comme jeu. Ça détend bien. Moi, j'aime bien. C'est pas non plus un truc de foufou, hein. Mais vous avez des petites quêtes quotidiennes, des quêtes plus souvent et tout ça. Vous montez de niveau, votre cheval aussi. Vous pouvez l'entraîner, vous pouvez modifier votre apparence en achetant les trucs. Là, j'ai pas de mission en cours. Voilà, là c'est l'argent que j'ai. Et puis ça, c'est les étoiles qu'on gagne. Et on peut aussi acheter des trucs rien qu'avec les étoiles. Voilà, je sais pas si ça pourrait vous plaire à vous, mais moi j'aime beaucoup, c'est très... Ouais, bah ça détend, franchement, c'est très reposant comme jeu, et c'est vraiment un univers assez simple, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas si le jeu pourrait vous plaire, mais moi je vous dis, j'aime beaucoup, donc après c'est chacun son truc, hein, évidemment. Je pense que je vais jouer un petit peu ce soir, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas joué, là je vous avais pas encore montré d'ailleurs. Faut que je refasse mes quêtes que j'ai pas su terminer la dernière fois. Mais voilà. Bon. De toute façon, je peux pas aller à la sieste tant que le facteur est pas passé. Donc, soit je joue un peu, soit je fais mon montage. Je sais pas. J'hésite. C'est le montage de ce make-up. Ah, il faut que j'aspire la cage. Je vais faire ça d'abord. Pour commencer, je vais aspirer la cage. Comme ça, j'ai plus qu'à donner un petit coup dedans et je vais redonner un petit coup d'aspirateur dans la grande, même si on l'a fait hier. Juste pour vraiment enlever les petites crottes et les graines qu'ils ont foutues partout. Comme ça, je donne un coup sur les étagères. Chérie peut me la ranger et en attendant qu'il l'ouvre, je ne sais pas s'il va faire ça ce week-end, ça m'étonnerait. Il n'est pas très motivé en ce moment. Mais qu'il me l'ouvre parce qu'il va ouvrir le dessus. Et mettre la grande par-dessus. Comme ça, ils ont une cage super, super, super grande. Donc ça, je vous montrerai quand ça sera fait. Hein, je ne sais pas quand. Parce que, voilà, monsieur a les idées, mais des fois, il n'est pas motivé à les faire non plus. Hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser ça pour l'instant. Je vais attendre le facteur. Et je vous reprendrai quand même pour vous montrer les mèches vite fait. Et pour vous dire au revoir. Je vais déjà vous donner le planning tiens, de la semaine prochaine, tant que je vous tiens là. En sachant qu'il risque de changer. Puisque suivant, quand est-ce que je reçois mes palettes. Donc là, on est ici pour vous. Donc lundi, donc c'est toute la semaine, une abonnée choisit mon make-up. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Non, c'est la semaine d'après qui risque de changer, j'ai rien dit. Le mercredi, c'est le Queen of the World 2, donc sur l'Egypte, qui sera en première à 18h. Donc, je serai dans le chat avec Nymph pour qu'elle me donne tout de suite ses impressions. La miniature sera cachée pour la première soirée, comme la dernière fois, quoi. Le samedi, si j'ai bien reçu la palette, je vous ferai le swatch and make-up de la Forever Flawless Batman. Sinon, ça sera ma rotation make-up, puisque j'ai envie de changer mes produits. Donc, c'est ça que je dois tourner, normalement, et que j'ai encore pu tourner. Dimanche, le vlog. Voilà, et la semaine d'après, normalement, on se retrouve encore une fois tous les jours. Ça vous fera 3 semaines de vidéos non-stop, c'est pas mal. Hein. Parce que là, il y aura soit la rotation ou soit chain make-up de la Batman, celle de la Harley Quinn, celle de la clochette, si je l'ai reçue, le update de mon Beauty Room Tour, si j'ai reçu, si je suis allée chercher mes meubles. Donc c'est toujours pareil, c'est des vidéos que j'ai programmées, mais que je ne connais pas exactement quand est-ce que je peux vous les faire.
Et le challenge pour la Wilderness, là, un make-up par, par colonne. Donc ça, je pense que je vais commencer à tourner demain. Parce que c'est quand même 5 make-up. Donc, puis un live et le vlog, comme d'hab. Sinon, si ça met trop de temps à ce que je reçoive les palettes, je décalerai d'une semaine les vidéos. Mais ça se fera toujours une semaine complète cette semaine-là, quoi. Voilà. Bon, allez, pour l'instant, je vous laisse. Et puis, je vais attendre le facteur en essayant de ne pas m'endormir. Parce que je suis crevée. Alors, il est 15h54. Donc, mes messieurs vont pas trop tarder à rentrer. Enfin, dans une grosse demi-heure, je pense. Chérie va rechercher Georges à l'école, logiquement. J'ai pas eu mon colis. Voilà, tout simplement. Je viens de me réveiller. J'ai fait une micro-sieste dans le canapé. J'ai dormi à peine une heure parce que j'avais peur que le facteur arrive. Là, sur le fil Amazon, c'est marqué « En cours d'acheminement, mais peut-être en retard. Malheureusement, votre colis subit un retard. Bipost met tout en œuvre pour que vous le receviez dans les plus brefs délais. Votre colis peut arriver, peut toujours arriver aujourd'hui. Et sur le suivi Bipost, c'est marqué qu'ils ne le livreront que lundi. Alors qu'ils sont censés livrer demain, le samedi, ils font des livraisons aussi maintenant. Hein, mais voilà, chez moi, apparemment, ils ne le font pas. Donc, je pourrais pas vous montrer ça. Je vous les montrerai peut-être la semaine prochaine si j'oublie pas parce que je vais les ranger direct. Donc, voilà. Et c'est tout. Voilà. Du coup, j'ai la tête dans le cul parce que je viens de me réveiller de ma micro-sieste dans le canapé qui n'était pas du tout agréable parce que j'avais une mouche qui m'emmerdait. Voilà. Une mouche dans la maison, il faut qu'elle vienne se poser 15 fois sur ma tronche pendant une sieste de 3 quarts d'heure. Par contre, j'ai pas chômé, j'ai aspiré, nettoyé la petite cage, j'ai aspiré la grande. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mon blender et tout ça pour demain. Donc du coup, je tournerai ma rotation demain, je pense. Ou maintenant, je sais pas. J'aimerais bien voir si monsieur veut bien m'emmener à l'action encore. Oui, il me faut pas grand-chose, mais... j'aimerais bien acheter pour quand... Ah oui, je viens d'aller voir sur... Enfin, avant de dormir, j'ai été voir sur le site... Enfin, sur Internet, un peu pour mon meuble Ikea, là. J'ai été voir un peu sur Conforama et tout ça, s'il y avait d'autres... Alors, apparemment, chez Conforama, ils le font aussi, les dressings sur mesure. Mais j'ai pas trouvé comment le faire en ligne, donc je ne sais pas. Alors, à moins que monsieur veuille bien m'emmener voir, ce que ça m'étonnerait... Et voilà, et j'aimerais bien acheter Action parce que j'aimerais bien me trouver les fonds comme genre des tiroirs ici, enfin, vous savez, un peu bullés comme ça, de toutes les couleurs en mousse comme ça pour mettre dans mes fonds de tiroir après, si j'ai un jour mon meuble. Donc, ah oui, donc je change tout de conversation là. Mais pour Ikea, ils disent que ça peut aller jusque fin d'année quand même avant qu'il y ait du stock normal. J'ai pas envie d'attendre décembre pour avoir mon map, quoi. Allô ? Allô ? Enfin, bref, voilà, j'ai ma poisse, quoi. Hein, ma poisse légendaire, bien connue de tout le monde. Donc, je suis pas prête d'avoir mon meuble. Je crois que j'ai quand même essayé de négocier avec Chéri pour qu'il m'emmène voir chez Conforama s'ils font vraiment le système sur mesure, voir s'il y a la même chose et voir le prix. Mais... je doute qu'il soit motivé. Allez, bah c'est pas très loin, c'est à 5 minutes de chez nous. Mais faire le tour du magasin et tout ça, je sais même pas s'ils le font ici. Je sais pas. Et trouver un autre meuble, ils seront trop profonds, il y aura pas assez de tiroirs. Donc je sais pas. Voilà. Enfin bref. Bon écoutez, moi je vais vous les laisser là parce que comme je viens de me réveiller, je vais me répéter, je vais parler dans le vide, je vais être chiante, donc et momole, hein, puisque voilà, après sieste, c'est momolitude puissance 15 quand même. Donc, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. On se retrouve encore toute la semaine prochaine. Hein, je vous ai donné le planning juste avant. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas encore fait. Et donc en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous.